is niet gewoon een test om te zien wie kan vechten. Milling vraagt een zekere overwinning van uw instincten, waar misschien uw hele lichaam schreeuwt om te vluchten of uzelf in foetushouding te rollen. Milling gaat dus over naar voren stappen, het gevaar in de ogen kijken, ook al zou je liever vluchten en er vandoor gaan. Je m'appelle Duche, je suis opérateur dans les forces spéciales depuis 2001. Pendant ma carrière, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses missions à l'étranger. Mais il y a une mission qui reste particulière, c'est la mission Homeland, parce que c'est une mission qui a été effectuée sur le territoire national. Er lijkt opnieuw een aanslag gepleegd te zijn op de vrije meningsuiting. Deze keer in Denemarken, in de hoofdstad Kopenhagen. Er heeft een dramatische schietpartij plaatsgevonden in Brussel. In de Zuid-Franse stad Nice heeft een man drie militairen aangevallen met een mes. Daar is IS er wel degelijk in geslaagd om terreur naar Europa te brengen. En ook dat gevoel van onveiligheid bij de mensen te laten nestelen. Het gevoel dat onze veiligheid niet meer vanzelfsprekend was. Après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, c'est à ce moment-là que le gouvernement a décidé de déployer des militaires dans les rues, des militaires de l'armée conventionnelle, donc les forces spéciales n'étaient pas encore déployées. La défense, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pratiquement plus participé à des opérations sur le territoire national. Militairen die actief aan ordehandhaving doen op Belgische bodem is heel uitzonderlijk. Dat gebeurt alleen in crisissituaties. Goedenavond. Eerst nieuws heet van de naald. Bij een schietpartij in hartje Brussel zijn er net drie doden gevallen. De staat heeft dus een monopolie op geweld. Als dat in het binnenland gebeurt, hebben daar de politie voor. Gebeurt zoiets in het buitenland, ja, dan kijkt iedereen naar defensie. Dus het feit dat defensie ook in het binnenland wordt ingezet, is enkel in crisissituaties. En dan ook nog binnen een heel beperkt mandaat. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez, courez. Barrez-vous, barrez-vous. Il y a des attentats, il y a des attentats. Ik denk dat de situatie in Europa helemaal veranderd is na de aanslagen in Bataclan in Frankrijk. Door de link met ons land heeft de Nationale Veiligheidsraad het dreigingsniveau voor grote evenementen opgetrokken van 2 naar 3. Pour nous, la mission Homeland a commencé quelques jours après le Bataclan. Het feit dat de Special Forces groep gevraagd werd om actief mee te helpen, was gewoon door overbelasting van de politiediensten. Donc le gouvernement a décidé d'appliquer l'armée et notamment les forces spéciales en support de la DSU. La mission, c'était d'assurer la QRF catégorie 1. Donc la QRF, c'est la Quick Reaction Force. Catégorie 1, c'est-à-dire qu'on était au même niveau que la DSU. Le but d'une QRF, c'est d'être rapidement déployable, en fait. Donc on est en stand-by, mais dans les 10 à 15 minutes, on doit être embarqué dans les véhicules. Pénétrer dans des maisons de citoyens, de suspects, pour les interpeller, éventuellement les arrêter. Dat wil niet zeggen dat wij politionele bevoegdheden kregen. Dus iedere keer als wij ergens tussenkwamen, dan waren er politieagenten bij. Dat maakt dat wij wel een terrorist tegen de grond konden werken, maar de eigenlijke arrestatie gebeurde dan door de politie. C'est clair que les deux targets principales, c'était Abdeslam et Abrini. Après les attentats de Malbec et de Zaventem, là, ça a changé la donne. Les missions se sont multipliées parce que, évidemment, la population civile, de bonne foi, donne parfois des renseignements erronés à la police. Donc il y a énormément de personnes qui pensaient avoir vu Abrini à un endroit, Abdeslam à un autre endroit. Il y a de nombreuses perquisitions qui ont été effectuées. Le 21 juin 2016, vers 5 h du matin, on a reçu un appel pour
un incident qui se déroulait rue Neuve, près d'une entrée secondaire de la galerie City 2. Un suicide bomber a été vu par une patrouille de police et dans les 15 minutes, on était sur place. La rue Neuve, c'est une rue également qui est assez étroite avec des grandes façades. Donc s'il y avait eu une explosion dans cette rue-là, il y a des chances que s'il y avait eu du monde dans la rue, il y aurait eu énormément de victimes. Les gens du Devo avaient eu le temps d'envoyer leur robot avec une caméra et de visualiser la ceinture. Et donc les informations que j'ai reçues par le Devo à ce moment-là, c'est que pour lui, la ceinture, c'était en tout cas bien réalisée. La tension a monté un peu d'un cran, je vais dire. J'ai déployé mon équipe. Et donc je me suis approché jusqu'à une petite quinzaine de mètres, je dirais, pour pouvoir communiquer, avoir un bon visuel sur lui, voir ses mains et pouvoir communiquer avec lui. Avec moi, j'avais un membre de mon équipe qui avait un bouclier lourd, ce qui nous permettait d'être relativement protégés en cas de déclenchement de la ceinture d'explosifs. Mais j'avais le point rouge de mon arme qui était sur le suspect à ce moment-là. Et j'avais également mon sniper qui avait sa tête en ligne de mire. Le moindre geste suspect de sa part aurait déclenché un tir et probablement sa mort. Donc je lui ai parlé très calmement, je l'ai appelé par son prénom. Je lui ai dit de ne faire aucun geste brusque. Dans les informations que nous on avait, lui était quelque part aussi victime dans cette histoire parce qu'il avait dû porter une suicide vest sous contrainte parce que sa famille était menacée. Bon, en tout cas, c'est les informations que nous on avait à ce moment-là. Le Devo a envoyé à nouveau son robot sur lequel on avait tapé un cutter. Donc je lui ai dit que j'allais lui donner des injonctions, j'allais lui donner des ordres précis qu'il devait les exécuter calmement, sans faire de gestes brusques. Je lui ai dit de se lever, je lui ai dit de se rendre vers le robot, de prendre le cutter et de commencer à découper sa veste. Ensuite, une fois qu'il en a été capable, il a enlevé la ceinture d'explosif, il l'a déposé sur le sol. On l'a maîtrisé, on l'a menotté et ensuite on l'a remis aux forces de police. Et ensuite, une fois que tout le monde était en zone safe, là, le Devo a récupéré la ceinture d'explosifs pour analyse. Goedemiddag. Een man met psychische problemen heeft voor groot terreuralarm gezorgd vanmorgen in het centrum van Brussel. J'ai reçu le rapport du Devo et en fait, la ceinture était fake. Uit de eerste onderzoek bleek dat de gordel zout en koekjes bevatte. Het feit dat Dush op die kerel is afgestapt, is heel speciaal. Ten eerste denk ik dat het er een veel gemakkelijker oplossing zou zijn geweest dat ze die vermeende terrorist een kogel tussen zijn ogen jagen en had je van op afstand met een robot de bommengordel onschadelijk kunnen maken. Dit zou de normale, veiligste procedure zijn geweest. Het feit dat Dush gecommuniceerd heeft en de situatie goed heeft ingeschat, zegt heel veel over de kwaliteiten van Dush. Het feit dat hij daar dan ook nog op afstapt, zegt vooral dat hij mega cojones heeft. Dit is een heel mooi voorbeeld van fysieke moed.